Nicolas ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps variable à couvert. Ça sent la pluie, mais il n'y en a pas pour le moment. La température extérieure, elle est fraîche, on relève 10 degrés. Dans l'eau, on relève 14 degrés. La marée est pleine haute maintenant, 6h40, coefficient de 83 et le vent est bien présent. On voit sud-ouest, 3 beaufort, du clapot, pas loin des petits moutons. Les phases de vagues sont ridées. Et on a cette houle qui est longue avec 10 secondes de période. Une houle orientée nord-ouest, multipique et sectionnée qui est en nette baisse par rapport à hier soir. On est sur un déferlement de régulier de 1 mètre à 1 m 20. Et sur les séries, il y a 1 m 20 à 1 m 50, pas plus. Avec la marée qui est haute, écrasée par le vent, ça fait des petits pics de mousse qui arrivent à ouvrir un peu, mais c'est quand même des qualités très très moyennes. Les grosses séries, ça casse un peu au large. Ça fait des vagues assez plates, assez molles, qui arrivent à dérouler un peu au large. Au bord, des vagues un peu plus creuses, un peu plus courtes, mais plus fermantes. Bon, pas génial, mais bon, il y a quelques bouts qui passent. Il y a personne à l'eau, bien entendu. Évolution pour le reste de la journée, la houle va s'amortir, le vent devrait se renforcer, la boire cachant est quand même en nette baisse avec 2,57 m. On attend à 13h 1,30 m. Houle de nord-ouest, 10 secondes de période, vent d'ouest à 3 à 4 beaufort et à 17h 1,30 m, peut-être un peu moins. Houle de nord-ouest qui perd encore de la période, 9 secondes de période avec un vent d'ouest qui se renforce 4 beaufort. Ça va être dégradé cet après-midi. Déjà que c'est pas folichon ce matin, ça promet, mais bon, ça sera plus petit, plus facile d'accès. On se retrouve à 8h30, à tout à l'heure, merci.